Paroles de déportés, mise en jeune voix. Une émission proposée par l'Association des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, délégation territoriale du Lot-et-Garonne. Née en 1913, Charlotte Delbault s'engage en 1941 dans la Résistance. En 1942, elle est arrêtée avec son mari. Lui est fusillé et elle est déportée vers Auschwitz, puis au camp de Ravensbrück. Femme de lettres et de théâtre, elle fut la secrétaire de Louis Jouvet avant la guerre. À son retour de déportation, elle se consacre à l'écriture pour que l'on sache ce qu'elle a vécu avec ses compagnes dans l'enfer des camps. D'une voix forte, elle évoque la cruelle absurdité de l'industrie de mort mise en place par les nazis, à l'exemple de ce cours Estrée. Il est une gare où ceux-là qui arrivent sont justement ceux-là qui partent. Une gare où ceux qui arrivent ne sont jamais arrivés, où ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. Charlotte Delbault est décédée en 1985. Le poème « Qu'on revienne d'Auschwitz ou d'ailleurs » est lu par Sarah Boumera, celui intitulé « Vous qui savez » par Issam Amegrissi et « Supplique aux vivants » par Liliana Pinto, tous trois élèves au lycée polyvalent Georges Leigh Louis Coufignal de Villeneuve-sur-Lot. Qu'on revienne d'Auschwitz ou d'ailleurs, qu'on revienne de guerre ou d'ailleurs, quand c'est d'un ailleurs aux autres inimaginables, c'est difficile de revenir. Qu'on revienne de guerre ou d'ailleurs, quand c'est d'un ailleurs qui n'est nulle part, c'est difficile de revenir. Tout est devenu étranger dans la maison, pendant qu'on était dans l'ailleurs. Qu'on revienne de guerre ou d'ailleurs, quand c'est d'un ailleurs où l'on a parlé avec la mort, c'est difficile de revenir et de reparler aux vivants. Qu'on revienne de guerre ou d'ailleurs, quand on revient de là-bas et qu'il faut réapprendre, c'est difficile de revenir quand on a regardé la mort à prunelles nues. C'est difficile de réapprendre à regarder les vivants aux prunelles opaques. Un poème de Charlotte Delbault, rescapée d'Auschwitz et de Ravensbrück. Vous qui savez, oh vous qui savez, savez-vous que la faim fait briller les yeux, que la soif l'éternit? Oh vous qui savez, savez-vous qu'on peut voir sa mère morte et rester sans larmes? Oh vous qui savez, savez-vous que le matin on veut mourir, que le soir on a peur? Oh, vous qui savez, savez-vous qu'un jour est plus qu'une année, une minute, plus qu'une vie? Oh, vous qui savez, savez-vous que les jambes sont plus vulnérables que les yeux, les nerfs plus durs que les os, le cœur plus solide que l'acier? Savez-vous que les pierres du chemin ne pleurent pas, qu'il n'y a qu'un mot pour l'épouvante, qu'un mot pour l'angoisse? Savez-vous que la souffrance n'a pas de limite, l'horreur pas de frontière? Le savez-vous, vous qui savez? Charlotte Delbault. Supplique aux vivants, je vous en supplie, faites quelque chose, apprenez un pas, une danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau et de votre poil. Apprenez à marcher et à rire, parce que ça serait trop bête à la fin que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie. Charlotte Delbault.